Allô? Anna, comment tu te sens? Je me sens cinglée. Tu peux développer? Par où commencer? Ça fait plusieurs fois que j'entends des bruits venant du grenier. Tu habites dans une vieille maison, non? Elle grince, c'est normal. Et j'ai vu Elisabeth en train de jouer dans sa chambre. Ça aussi, c'est normal, selon toi? On en a déjà discuté. Ces hallucinations sont une conséquence directe de ton traumatisme. Et l'alcool? Ça va. J'ai beaucoup ralenti. Et les pilules que je t'ai prescrites? Tu ne bois pas quand tu en prends, rassure-moi. Jamais. Je suis très sérieux. C'est peut-être ce qui cause tes hallucinations et ça pourrait même provoquer des bouffées délirantes. J'ai dit que je le faisais pas. Fais chier. Ça me donne envie de hurler quand on tourne en rond comme ça. Je te jure, j'ai des envies de meurtre. Et si tu venais au cabinet pour nos sessions? Non, je te l'ai déjà dit. C'est trop risqué. C'est trop loin et j'ai peur de me retrouver coincé sous la pluie. Justement, à ce propos, où tu en es de ton ombrophobie? J'en suis nulle part. Je suis toujours une pauvre folle qui a peur de la pluie. Tu as une excellente raison de craindre la pluie. Elle te rappelle le pire jour de ta vie. Je sais que c'est difficile, mais ça t'aiderait peut-être de me parler de ce qui est arrivé. Pas sûr. Raconte-moi cette journée, Anna.